Aujourd'hui à Marseille, on est venu parler de l'Europe sociale. C'est extrêmement important que l'Europe elle s'empare de ces sujets-là. Aujourd'hui, elle n'est pas assez positionnée pour protéger les Européens, pour lutter contre le dumping social, pour lutter contre les dérives du travail détaché, pour investir dans les jeunes Européens. Aujourd'hui, il y a une autre vision de l'apprentissage qu'il faut avoir. Et l'Europe, ça peut être aussi un moyen d'ouvrir les fenêtres. J'ai mis longtemps à trouver un patron, mais j'ai réussi à le trouver. Et tu savais que c'était dans ce secteur-là que tu voulais bosser? Oui, c'est mon rêve depuis tout enfant. Ah ouais. Gamin. En tout cas, on sent la passion. Ah oui, oui. Là, il y en a. Là, y en a. Ça fait plaisir. Oui. Non, on est dans un centre d'apprentissage, le centre Corot. Et puis ces jeunes-là, ils ne bénéficient pas suffisamment de l'Erasmus. Nous, ce qu'on voudrait, c'est changer d'échelle. Faire en sorte qu'il n'y ait pas 80 000 jeunes par an, mais 400 000 qui puissent partir en Europe, aller voir d'autres cultures, mais aussi apprendre d'autres façons de travailler. Il nous reste un mois. Un mois pour aller convaincre. Un mois pour mobiliser. Un mois pour parler d'Europe. Un mois pour montrer que nous avons envie d'Europe. Mais parce que nous croyons en Europe, nous voulons changer l'Europe. Il reste un mois pour agir. Je compte sur vous. Vive la France. Vive l'Europe. Vive la République.